Dossier référendum toujours, il y a un président ukrainien, Vladimir Zelensky, lui-même qui parle. Monsieur dit comme ça, il n'y a pas de possibilité pour parler ensemble avec la Russie. Si possibilité qui était gain pour parler ensemble avec la Russie pour rejoindre un accord, après dossier référendum Poutine vient faire, côté qu'il y a trois zones, il y a trois régions qui ont dit oui, eh bien, président ukrainien Volodymyr Zelensky, monsieur dit, pas qu'une possibilité encore pour bien parler, qu'on y a assez coups d'armes qui pourraient le tirer. Surtout, après Nations Unies, t'es fin prend position sur dossier référendum, là, côté dit, lui-même l'a supporté peuple ukrainien et intégrité peuple ukrainien, eh bien, Volodymyr Zelensky, qui c'est président ukrainien, monsieur vient prendre force. Donc on est monsieur qui a un support américain, des pour un support américain autour, un support autant, support l'ONU en même temps. Eh bien, monsieur dit comme ça, territoire ça où la Russie occupé journée jeudi après le référendum là, il pourra le défendre avec gros armes, avec gros bout d'attaque, il pourra l'attaquer, il pourra le bombarder parce qu'il faut récupérer territoire ça. Monsieur dit faut qu'ils défendent le territoire, mais c'est avec gros coups d'armes parce que la Russie lui-même lui occupe le territoire ça. Eh bien, Vladimir Zelensky lui-même lui pas bien caché l'ombre. Son président qui pas tellement vouloir la Russie, même Jean Poutine pas vouloir monsieur, eh bien, c'est ça lui déclaré après le référendum Poutine fait dans la région ça. Qu'on a question à poser tête nous. Et j'aime te dire là, la région ça vient adhérer à la Russie, ils viennent Russie, ils viennent pour Russie, ils veulent comme ça. Même les pas un support occident, mais ils viennent pour Russie, selon la Russie, c'est leur fédération russe. Même Jean Noël, ancien président de la Russie, Dimitri Medvedev et porte-parole Kremlin qui c'est Dimitri Peskov, eh bien, monsieur Saoudi. N'importe attaque qui fait sous région ça ou qui vient adhérer à la Russie a défendu aussi les faux examens nucléaires. Vin joindre Vladimir Zelensky qui dit qu'il peut l'attaquer. Depuis où est tiré son ça ou bien président ça dit qu'il peut l'attaquer, c'est parce que Metli, l'OTAN, l'Occident qui a supporté, le mandat pour l'attaquer. Si bagaille n'a pas changé, car il y a un gros déblocage. Et donc on est depuis qu'il y a une guerre mondiale, il y a des armes chimiques. Cap lagué, c'est tout le monde qui a subi. Il y a un pile problème dans le monde là. Bagay nous pas ta remè, mais j'en bagay yon parti là, nan jou kabine là yo,